Pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les prisonniers qui partent en vacances, les amis. Sujet de la vidéo, je vais vous parler de la guerre des étoiles, voilà. Star Wars, mais là c'est pas Star Wars, c'est Tapette Wars, voilà. Les rappeurs français sont en guerre. Les rappeuses français, excusez-moi, des petites rappeuses. Oh, faut arrêter, ils ont 40-50 balais. Ils sont là sur Instagram. Ouais, je vais te niquer. Rof, je vais te casser le cul. Et Rof, il répond. Ouais, mais toi, Rihanna, elle a couché avec ton père. Faut arrêter au bout d'un moment. C'est quoi ces rappeurs 2.0, la vie de ma mère? Moi, j'ai grandi à l'époque. Moi, quand j'ai grandi, j'ai été bercé dans quoi? La mort de Tupac, la mort de Biggie, la mort de Nat Dogg, mais vos grand-mères, les sauces Biggie, qui écoutent Notorious Big. Voilà que c'est un truc de fou, ça. Tupac, pas qu'il est mort, Biggie il est mort, en France il y a des gains qui meurent, les rappeurs ils sont là dans leur texte, ouais, un problème, une balle dans la tête, une calache, un famas, un couteau, c'est réglé de quoi, vous avez vos règles, voilà, vous réglez rien à l'arme blanche, vous réglez rien à la calache, vous réglez ça sur Instagram et sur Snap et sur Facebook, donc pourquoi vous faites les mecs dans vos textes, voilà, dans vos textes, dites ça, ouais, si tu te manques avec moi, je te follow pas sur Insta, voilà, c'est ça l'insulte, alors d'aujourd'hui, voilà à quoi se résume le rap, moi ça me dégoûte parce que les rappeurs dans leurs textes, ils disent aux jeunes gamins, aux jeunes ados, ils leur disent oui, s'il y a un problème, prenez une tronçonneuse, prenez un lance-roquette et niquez tout. Mais eux, quand ils ont problème, ils font quoi? Ils portent plainte, voilà. Ils portent plainte et c'est la vérité. On l'a vu avec plusieurs cas. Booba qui appelle les pompiers, le frère Arof qui porte plainte contre son frère parce qu'il a sorti un calibre. Vous êtes là, vous portez plainte, vous vous dénoncez. Donc arrêtez au bout d'un moment. Oh, voilà que c'est un truc de fou, ça. Oh, tirez-vous dessus, moi, mais faites exprès. Faites une mise en scène. Faites exprès au moins, voilà, c'est un truc de malade. Booba, je l'aime bien, Booba, mais c'est pas Pablo Escobar. Le mec qui se déplace avec des escort girls, une escorte, voilà, il a une escorte autour de lui. Donc faut arrêter. Moi j'en ai marre de ce rap bisounours, voilà. Ils sont là sur Instagram, ils font les voyous dans leurs textes. Ils disent aux jeunes, allez mettre une balle à votre concurrent. Ils disent aux jeunes, montez des réseaux. Ils disent aux jeunes que le seul moyen de s'en sortir, c'est le crime et c'est le deal et tout ce qu'il y a avec. Alors que eux-mêmes, ils s'en sont sortis sans le crime. Ils s'en sont sortis avec la musique. Oh là, c'est des artistes, c'est des musiciens, c'est des acteurs. Donc au bout d'un moment, eux ils s'en sortent légalement avec de l'argent entre guillemets halal parce que la musique tout ça c'est pas très halal les amis. Mais entre guillemets ils s'en sortent avec de l'argent légal et ils disent aux jeunes allez faire des braquages et tout. Et maintenant quand vous voyez les ados en prison, la vie de ma mère, il n'y a pas une star. Jamais j'ai vu une star sortir une petite prison, mettre un avocat pour les jeunes de prison qui sont tombés à cause de leur texte. Et en plus c'est la vérité, les petits d'aujourd'hui, la plupart des jeunes, voilà, il y a beaucoup de jeunes qui rentrent en prison à cause des rappeurs. Regardez les clips de PNL, les gens ils te font genre, je sais pas comment vous dire, ils vous romantisent le deal, voilà, c'est romantique le deal avec PNL, c'est magnifique, c'est beau, t'as envie de dealer, le mec il est propre, cheveux longs, et bah du Dortmund, faut arrêter. Ceux qui deal, ils ont pas cette tête là, ceux qui deal, il a même pas de cerne, les mecs dans les clips de PNL ils ont même pas de cerne, les dealers, les guetteurs ils sont cernés, voilà, ils ont peur de se faire péter. Donc faut arrêter au bout d'un moment, voilà. Vos grand-mères les cernent qui cernent rien. Je suis désolé, rappeurs, voilà, c'est des petits rappeurs. Oh, je vous vois comme des. La vie, non, je sais pas, vous êtes des gros mythos, c'est grave, voilà. Voilà que c'est grave. Oh, du matin au soir, tout le monde se clash. La crime, il va liker Booba contre Rof, on comprend pas. Alors qu'ils se connaissent à la base, c'est des potos, je comprends pas, voilà. Trahison, la vie de ma mère, on voit que des trahisons, des coups de poucave, on voit des pointeurs, et c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Booba, il sait prendre des coups de ceinture. Il sait prendre des coups de ceinture au bout d'un moment. Booba, je l'aime bien. Artistiquement, c'est un de mes rappeurs préférés, tout le monde le sait. Mais au bout d'un moment, ça se prend des coups de ceinture. Voilà, Rof, pareil. Rof, il va tabasser à 40 un petit gamin. Donc, faut arrêter. C'est quoi, bande de lopettes, va? Il n'y en a pas même, vous êtes tous là, le calibre, le famas, la calache, le lance-roquette. La vie de ma mère, vous avez des lance-croquettes. Voilà, vous lancez des croquettes, c'est tout ce que vous lancez. Il y en a marre au bout d'un moment de votre putain de guerre sur Instagram, la bande de grosses folles. Voilà, prenez un ring. Voilà, louez un ring et battez-vous. Voilà, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Ils sont là, des petits montages, et nanani, nanana. Donc, dans vos textes, dites que la guerre des gangs, quand la crime, il dit un gang de malade. Il parle d'un gang sur Instagram, voilà, l'adim. Parce que dans la street, dans la rue, il y a rien, il y a des gains, voilà. Vous faites rien. L'autre, il est à Miami, l'autre, il est en Thaïlande, l'autre, il est sur Jupiter, et vous nous prenez pour des putes avec vos textes. Ouais, on est là, on rafale tout le monde. Tu rafales rien, voilà. Tu rafales ton slip, voilà. Ton slip plein de béchamel. Voilà ce que tu rafales.